de prendre le petit déjeuner à l'auberge de Cendrillon. C'était super sympa. Donc ça, c'est un petit déjeuner qui est dispo cet été, il me semble, qui avait été dispo au printemps dernier et qui revient là maintenant. On l'avait déjà testé au printemps et c'est quasiment la même formule, il n'y a rien qui n'a changé. Moi, je trouve que c'est vraiment un super bon moyen de tester l'auberge sans payer les plus de 70 euros que nécessite un déjeuner ou un dîner. Ça te permet de rencontrer trois princesses sur un laps de temps assez court, et rencontrer les princesses, c'est pas forcément évident. Au moins là, t'es sûr de les rencontrer. T'es sûr de rencontrer donc les princesses classiques Aurore, Cendrillon et Blanche-Neige. Au niveau de la bouffe, c'est pas la bouffe d'un buffet, donc peut-être si vous êtes assez difficile, peut-être regarder un peu avant s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas. Il y a une assiette salée et des petites verrines et des viennoiseries. Ensuite, en boisson, vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez. C'est très bon. Il y a des petites verrines au saumon, le fromage blanc, des gaufres au Mickey, tout ça qui sont super bons. C'est un peu plus raffiné que c'est un peu plus raffiné que le petit-déj de votre hôtel. Je ne vois plus rien, c'est pratique. Merci, soleil. En plus, je suis même pas sûre qu'on m'entende, donc c'est cool. On a aussi eu des interactions assez sympas avec les princesses. Avec Cendrillon, on a parlé de robes, tout ça. Avec Blanche-Neige, on a parlé des nains dans la mine. Non, c'est sympa. Si vous voulez prendre le temps avec les princesses, vous pouvez. Sinon, vous pouvez juste faire la photo et dire merci, au revoir. Mais si vous voulez prendre le temps, vous pouvez, donc c'est cool. Ce qui est bien aussi quand même, c'est que même si vous prenez le temps, ça se passe assez vite. Enfin, vous n'allez pas passer la matinée au petit-déj, ça ne va pas vous courir la matinée. Nous, on est arrivé à 9h45, on était assis tout de suite, et ensuite on a dû partir vers 10h45, donc vraiment rapide et pas trop prise de tête, donc c'était cool. Bon, on a juste été servi un petit peu plus en retard par rapport à tout le monde, mais ça, je pense que c'était juste là où on était placé, donc c'était pas dramatique. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais Astrid, t'aurais pas oublié de finir ta vidéo? Bon, on t'en veut pas, t'avais le soleil dans les yeux. Coucou tout le monde, c'est Lily, et du coup je suis là pour terminer la vidéo d'Astrid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà fait le petit déjeuner avec les princesses à l'auberge de Cendrillon, ou si vous avez fait un repas à l'auberge. Dites-nous votre expérience. Et donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à activer la cloche pour suivre nos aventures. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir !